Bonjour à tous les amis, on se retrouve dans un nouvel épisode d'Astuces Déco. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une maison de 6 par 4. C'est parti. Pour faire cette maison, vous aurez besoin d'échelles, de dalles d'acacia, de clôtures en acacia, de vitres blanches, de blocs d'herbe, de trappes en chêne, de tulipes roses, de dalles de chêne, de feuillages de chêne, de seaux d'eau, d'établis, de lits saillants, four, de coffres, de poudre d'os, de graines, de terre et d'une houe en fer. Ben, la housse, on s'en fout. Et aussi, vous aurez besoin de blocs de chêne. Bon, déjà, on va commencer avec le bloc de chêne. On va faire la structure principale. On va faire comme ça. On va monter, vous montez de 3. 7. Encore 2 portes. Comme ça. Après, vous mettez 2 housses ici, ça va accueillir votre fenêtre. Et vous mettez un bloc. Après, vous mettez 2 comme ça. 1 comme ça. Ici, 1, 2. Hop, là vous tournez comme ça. Juste aller vérifier près de ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, ouais, c'est ça. Oui, hop, comme ça, comme ça. Là, faites ça comme ça. Vous allez mettre votre fenêtre jusqu'à ici. Oh, bien. De cette manière. Bon. Votre trappe pour aller sur le toit, vous la mettez où est-ce que vous voulez. Oh merde, j'ai fait une erreur. Comme ça. C'est comme ça. Ici, on va faire ça comme ça. Parce que ici, c'est ce qui va accueillir notre échelle pour aller sur le toit. Votre toit, vous le faites avec des dalles de chêne. Comme ça. Comme ça. Bon, là on va faire le devant. Vous allez prendre vos dalles d'acacia et vous allez faire comme ça. Vous allez faire tout le tour de la maison de cette manière. Hop. Plus qu'un tour. Et après vous allez refaire la même affaire mais un peu plus haut. Une demi-dalle plus haut. Comme ça, comme ça. Comme ça. Et comme ça. Et voilà. Bon, là vous allez prendre vos blocs d'air, vous allez mettre devant. Vous allez prendre votre trappe, vous allez mettre devant. Comme ça. Vous allez prendre vos clôtures d'acacia, vous allez en mettre deux là, deux là, deux là. Vous allez prendre vos fenêtres. Vous allez mettre là. Après là, on va faire le sol. Vous enlevez juste toute la terre et vous mettez du bois. Des planches de chêne. Comme ça. Là on va faire le toit, vous allez faire tout le tour comme ça. Le tour avec votre terre. Vous allez faire un rectangle de 3 par 4. Et là vous allez prendre votre eau. Là, c'est bien important que quand vous mettez votre eau, vous la collez au bloc. Parce que si vous appuyez là, regarde ce qui se passe, l'eau va passer à travers. Comme ça. Là, on va juste l'enlever. Hop, 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 hop. Voilà, comme ça. Là, vous allez prendre votre houe en fer et vos graines de blé. Comme ça, vous allez faire ça. Là, vous mettez vos graines. Bon, moi, vu que là, pour avoir un plus beau résultat, direct, je vais prendre des graines. Hop. Et voilà, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, là on va faire vraiment on est vraiment rendu à la partie décoration. On va prendre un four, un établi, un coffre et un lit saillant. Comme ça. Comme ça. Ici vous mettrez votre four. Moi je vais mettre la table de craft comme ça. Et le coffre ici. Et si aussi vous voulez enlever les gouttes qui tombent au plafond, c'est juste des petites dalles comme ça. Là c'est plus pour découler. Voilà, vous voyez, ça coûte. Là vous allez prendre vos feuilles de chêne. Voilà, on prend les feuilles de chêne. Et là vous allez mettre comme ça, tout le tour. Pas tout le tour, mais juste ici, comme ça. Ça va vous arrêter à la bordure de la fenêtre. Vous prenez votre porte. Je vais prendre la porte. Vous la mettez de par l'intérieur. Et puis, voilà. Là vous pouvez mettre des petites décorations, genre des tulipes. Des tulipes, des hautes herbes, comme ça. Mais tout autour de la maison, c'est vous qui décidez. Moi je vais pas en mettre hein, parce que moi je trouve que ça fait plus beau ça. Bon ben, c'était tout pour ce tuto astuce déco et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao, à la prochaine.